rentrer l'école là, report qui annoncé là, mais question comme en termes psychologiquement, est-ce que Timoun qui déplacé yo dans condition pour yo continuer à apprendre donc ces cas et Timoun surtout dans zone Port-au-Prince, zone Matissan yo qui t'a couru pour violence dans zone la Caillou, parents yo qui décapitalisé. Nous gagnons encore avec nous éducateur Franck Jean-François qui c'est pasteur dans Fontamara qui lui-même voulait porter accent surtout sur problème psychologique qui t'a dû poser accompagnement pour Timoun Sayo qui traumatisé. Pasteur Franck Jean-François, bonjour. Bonjour, donc nous saluons tous les fidèles auditeurs de l'émission Première Occasion. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous et de partout à travers le monde. Nous saluons et Pierre-Aulé Louiné, nous saluons tout le gagné du seul et nous saluons Popsi qui n'est pas là, mais quand même, c'est nous dans ce staff-là. Donc, matin, c'est un plaisir pour être capable de fixer des mots, surtout et concernant après discours. Et pour le ministre Ariel sur la, sa décision prise concernant la réouverture des classes. Je pense que normalement, en tant que chef du gouvernement, en tant que la personne responsable, je pense qu'il y a un pile qu'il faut pas faire. Donc, je souhaite qu'on ait bien la situation qui a passé au sein de la troisième circonscription. Tout le monde te connaît et au Tébaï, surtout Caraïbes, il fait un peu la preuve de ça. Mais on pensait que, avant même l'école t'as ouvert, surtout, et après séisme qui était passé, 14 août, dans le Grand Sud, donc, un peu de bagarre était passé, un peu l'école effondrée, donc, vu la tête en bas. Mais maintenant, avant l'école t'as ouvert, on pensait que t'as supposé penser avec un accompagnement du monde, ensemble des élèves, ensemble des parents qui victimes, qui prennent l'école, qui apprennent petite l'école. On pensait que qu'on y a, c'est pas, ouais, seulement l'école à ouvrir, mais à qui ça parle après l'accompagnement du monde, là, pour ouvrir l'école? Parce que le gouvernement a pensé qu'il a réfléchi, parce qu'il n'a pas mis des abscisses sous clos. Maintenant, il faut que tu as supposé gagner, et bien, le monde a qui je le support, que je l'avais le ministre de l'Éducation, à Ginor, parce que c'est toujours en place libre, qui je le support, que les parents sont à joindre vis-à-vis de l'école, et ça a écrasé, qui je le support, tout ça a joindre, tu as lui utilisé, parce que, on dit l'école va l'ouvrir, mais il n'y a pas de l'école, comme l'école qui écrasait. Est-ce que l'école s'est écrasée, hein? Est-ce qu'on carré de mari? Et si après de mari, c'est comment? Donc c'est comme si nous voyons en pile, parfois nous faisons en pile, et parler, bagaille parler, et nous faisons une conférence, mais nous sentons que pas grand est saisi. Si, entre le cas du troisième circonscription, en tant que citoyen, donc je me suis né au sein de la troisième circonscription, donc nous avons l'école qui a fonctionné dans la troisième circonscription, après 12 ans, elle était détruite, et heureusement, on n'a pas gagné dans la mortalité, mais jusqu'à présent, nous sommes encore là parce que nous avons un ministère qui a fonctionné dans la zone là, et ceci, donc papa, qui est presque 7 ans au sein de la troisième circonscription. Mais maintenant, écoute ceci. En tenant compte de toute l'école qui n'a pas fonctionné en dedans, Grand Matissan, parce que l'autre dit étoile de circonscription, Matissan inclut son zone, Fontamara, son zone, mais c'est Matissan en général. Maintenant, et pas toute l'école, le Matissan qui crase, qui détruit, parce que l'école, c'est le directeur qui décide volontairement de lever l'école. Ça. Donc, il faut préciser bien, parce que quand tout le monde qui parlait, ils ont parlé, ils ont dit, mais ils n'ont pas vraiment en connaissance du cause. Il y a l'école qui n'est pas crasée, il y a l'école qui n'est pas pillée. Il n'y a pas tellement de l'école qui est pillée. On seule l'école que nous connaissons, ils ont dit qu'ils brûlent, donc c'est dit, ils ont dit, donc, et même pas aucune confirmation. Donc, la majorité de l'école qui partit sans eux, ils n'ont pas pillé, ils n'ont pas crasé, c'est levé. Directeur levé pour qui ça? Donc la raison est simple, parce que pas de possibilité, zone là, tout le monde fidèle les lieux. Donc ainsi, donc parents n'ont pas là, petits n'ont pas là, donc ou pas quitter l'école implantée, à qui ça? Ou pas faire l'école, donc l'élève va pas venir. Maintenant, on parle de l'effet psychologique. Donc là, toute l'école dit, tout directeur dit, vous voyez, il carrefour. Mais imaginons, Carrefour n'a pas de capacité de la guerre pour recevoir toutes les consorts. L'homme pour toutes les consorts qui étaient Fontamara, qui déplacés. Maintenant, qui étaient Matissan déplacés. Est-ce que c'est Carrefour qui est capable de faire tout et élève là? Deuxièmement, est-ce que vous sentez qu'il y a une capacité psychologique? Il faut faire un rapport psychologique. Psychologiquement parlant, élève, est-ce que vous apprenez la situation? Imaginons, on parle, on élève qui perd du maman. Il perd du maman.
Maintenant, est-ce que vous pensez que l'élève, ça, fin de que le côté de l'élève, c'est un côté au bas de l'homme, il doit mal vivre, il n'y a pas qu'à manger. Est-ce qu'on est, vous pensez que son professeur doit être grandi dans le moment? Vous pensez que l'État même, il n'est vraiment pas assumé responsabilité avec l'État. Donc, et le ministre de l'Éducation nationale, moi, estime qu'il n'est pas assumé responsabilité avec le ministre. Donc, c'est ouais qui, ça, le contraire, oui, ça m'étonne. On va attendre, mais qui accompagnement, il y a pas de timon, ça y est. De toute façon, pour nous, on a un accompagnement psychologique. Après, tout le monde qui l'a senti, mais qui souffre à l'endroit, mais qui est plutôt à l'école, qui s'est avoué l'école là, monsieur, qui s'est avoué? Comment on va avouer petite l'école là, faut le faire uniforme, et le gain de voix, le gain de monde qui était doué à tête antérieure. En tant que renseigné directeur d'école, je connais bien la situation. Je me disais qu'il y a des dettes antérieures. Donc, il va falloir que tu m'y ailles à l'école. Et pour aller à l'école, il faut que tu aies des dettes antérieures. Et si il faut que tu aies arrangé pour aller s'acheter un uniforme, même uniforme dans tout, c'est que subvention, même tu as dit ça va aller, pas une subvention, et même uniforme, comment on a fait? Et psychologiquement, qui gens tu as dit des professeurs de psychologie? Cap et des mouns à eux, si mouns à eux dans la classe, fait moral, surtout avec eux, et 2 janvier qui était passé, et nous avons 14 août qui était passé. Si nous sommes sous choc, l'esprit sous choc, tout le monde là, si tu as eu senti, tu as tremblé. Donc, nous pensons que l'État même, dans pile conférence de presse qui fait, dans pile et dialogue qui fait, même ça, c'est jusqu'à présent, nous sommes très, très en retard. Donc, l'État, en tant que ministre, Ariel, et bon, pour nous parler de Agenor, Kalem, par contre, il est encore toujours ministre de l'Éducation nationale. Et même qui est ministre de l'Éducation nationale, c'est Madame Marie-Lucie Joseph. Merci beaucoup, Franck Jean-François, éducateur qui a évolué dans Fontamara, 3e circonscription, Port-au-Prince. Nous a quitté pour nous regarder la situation un peu plus sous département sud de pays. Là, nous avons parlé de l'école qui est dans le centre urbain, l'école qui est là dans la zone campagne, particulièrement l'école dans le grand studio. Est-ce qu'il suffit seulement pour reporter d'Atlantria qui programme accompagnement pour Timoun sinistré au problème ça pas posé jusqu'à présent et pas aucune annonce qui fait dans ce sens ça. Nous t'ai souhaité parler à un directeur et association l'école dans le sud, nous pas arrivé établi contact à aucun d'un yo. Nous t'ai souhaité encore parler à responsable éducation dans le département sud là, mais à défaut de toute autorité ça yo, nous pral parler à un Kazek qui est dans zone qui touche yo pendant y a ton aide là, pendant y a ton à ce que gagne assistance qui vient une famille yo, donc annonce l'école la fête qui t'a capable une bonne nouvelle pour yo, mais dans situation y a vive là, rentrer l'école là a été compliqué pour yo. Azek Blaise Pelson, bonjour, on action sur annonce ministère éducation nationale pour reporter l'école là pour région sud là qui pas fête 6 septembre encore mais plutôt 4 octobre. Bonjour tout le monde. Bonjour tout auditeur capteur de la radio Caraïbe. Normalement nous pensons ça qui passe là les vraiment grave. Nous t'a dit c'est camper pour camper question l'école là net, mais nous connaît. Et éducation, c'est base société. Hein. Ça veut dire de toute façon, il faut que l'État arrange pour l'école là ouvrir en octobre, même si c'est difficile. Parce que regardé au niveau de Québec, nous avons plusieurs écoles qui a été. Nous avons l'école Bois-Antonin là, qui est vraiment à terre. Nous avons un collège qui est tout près là, Saint-Paul, qui a été. Même nous avons l'école nationale au niveau de Odier, dans la section là, qui a été. Jusqu'à présent, nous pas gen moun même vinn gade yo. Voir pou nda di gen un plan kap fèt. Mwen pense tout ti moun yo tourne l'école. Jean pasteur a dit psychologiquement, ta supposé bon travail ki fèt. Nous pas wè aucune équipe débarqué sous question ça. Mwen pense 4 octobre là c'est à l'heure. Ça veut dire que l'état faut nous agir vite. Faut nous agir vite pour permettre que l'école là l'y rétablisse. De toute façon, nous allons ouvrir l'école là. Mais si vous ouvrez l'école là, faut que nous garder comment ti moun yo yo va entrer l'école là. Parce qu'il y a pile l'école qui fissuré ti moun yo pa ka rete en dedans. N'importe bruit yo va courir sorti. Parce que ti moun yo jusqu'à présent, c'est dans la rue et puis yo va entrer dans quelques bâtiments qui campé mais qui avec des gros boutons. Parce que l'état a supposé agir vite.
pour permettre que l'école rentrer l'école là pas jamais fait gens nous souhaiter comme d'habitude mais au moins au minimum avec présence l'état jusqu'à présent au niveau éducation qui pas quoi j'en dis dans dans milieu rural dans zone ça vraiment est-ce que dans un mois parce que les écoles sont abri pour l'état fait dehors pour tout monde jusqu'à présent pas même une enquête qui fait m'a demandé est-ce que l'école là va ouvrir une zone et puis il y a l'autre zone qui pas va aller pendant ce temps examen autour vous faites même là moi pense c'est important autorité étatique pour nous agir vite mettez une série de monde dans la rue qui étudie pour ça pour permettre qu'il aille vite si c'est au niveau monde qui sont à partie ingénierie dans le ministère n'a déployé permettre que vous fait des évaluations pour que vous fait des encarts au niveau de la cour l'école yo, et puis pour permettre que au moins nous avons bagage qu'a fait c'est vrai parents li connaît l'idée ya connaît c'est lui même qui va dégager pour le voir tout monde l'école parce qu'il pas besoin assistance l'état même si mon yo pas gagné du tout on connaît haïtien c'est son série de monde qui gagne pile courage il a dégagé normalement et voir tout monde l'école mais au moins côté on va voir tout monde l'école là faut que tu gagne des bagages qui fait pour au moins si mon yo même si on pas installé confortablement mais au moins pour installer avec un esprit pour apprendre. Deuxième ça me souhaiter l'état regarder comment l'état subventionner éducation direction l'école yo, pour permettre que mon yo plus ou moins s'il pas ca subventionner permettre que direction l'école yo ba mon yo un deadline au moins pour si mon yo ka rentrer l'école là. Voilà, et merci beaucoup Kazek Blaise depuis Tobek. Et là, regardez, c'est en réponse à appel. Plusieurs organisations ont lancé pour demander un report de réouverture classe. Et là, c'est l'association parents élèves l'école qui vient comme responsable Léo Litolu qui est avec nous. Oui, Léo Litolu, on a pas laissé aux jeunes là tout à l'heure, qui lui-même après a fixé position par rapport à décision ça gouvernement prend pour voyer pour 4 octobre. Oui, pour département sud, Grand Sud et 21 septembre pour le département qui pas gagné pour la touché. Oui. Léo, bonjour. Allô? Oui. Allô Léo, bonjour. Allô? Bon, nous perdons du contact avec Léo Litolu, qui lui-même était souhaité intervenir matin. Ben, nous essayer de composer appel là pour nous capables de parler avec Léo Litolu, puisque on va partir dans le journal là consacré. Léo, quittez-nous, Léo, de préférence, consacré avec question éducation, puisque le gouvernement lui a à peine pris une décision ça, soit hier. Pour annoncer report ouverture classio encore année ça mais il y a des monde qui déjà posé question pour dire qui ça va changer est-ce que parents ont été prêts pour ça il y a l'autre qui posait question tout le fait que direction l'école yo yo même a touché l'argent yo quand même puisque faut payer mois septembre déjà donc c'est plutôt si mon yo papa prendre pendant ça mais direction l'école yo yo même il a gagné pour toucher l'argent yo correctement. Oui Léo. Allô. Oui, allô? 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 Oui, Léo, bonjour. Bonjour, Guerrier, bonjour, Pirinel, bonjour, Boxy, merci de pas là, bonjour, tout le monde, auditrice, Radio Télé Caraïbes. Bon, moi-même, où est-ce que décision ça, c'est une décision que tu as dit? Je ne parle pas de la différence qui est entre 6 septembre avec 21 septembre. Comme des gens qui se parlent, mais c'est un autre sérieux. Où est-ce que. Moi, je suis dans la ville, je suis dans 45 ans, c'est obligé, tout le monde est obligé de tourner tellement, les gens qui occupent l'espace, tout le monde est obligé de prendre à pied. Et nous prenons par exemple Pierre-Renel Guerrier, l'école nationale et Fortuna Guéry qui est bon théâtre national. Là. Bon, nous citons d'un coup l'école nationale Emmanuel, qui est dans la 4e avenue. Nous citons l'école nationale Nicaragua qui est dans la 5e avenue. Il y a la République du Pérou, Kamada Soudi là tout à l'heure. Il y a un centre professionnel, c'est Sierra Niga, qui est dans la Matisse 7. Il y a l'école nationale
23 qui est l'école émérite Papaye, dans Matissa 23, qui est l'école nationale Caïsson. Mais ça, l'école d'État, oui, Pierre Renel. Mais est-ce que le ministre de l'Éducation nationale lui dit qui ça, qui côté, est-ce qu'elle a plevé l'école ça, ou côté de l'admité? Comment faire pour le premier ministre qui, en principe, prend décision, c'est le même qui a annoncé ça, sans pas dire qui côté l'école ça, ou pour aller? Parce que Pierre Renel, ou tant de ça, qui a passé dans la ville là, et n'est-ce pas dit, il n'y a pas le même cabinet là, il y a une tête chargée. On nous prête pour le grand sud là, mes amis. Le ministère de l'Éducation nationale formé une commission avec 10 personnes, 10 cadres dans le ministère. 10 cadres dans le ministère sans aucun autre monde. Mais pour que ça fasse le ministère par renforcer la direction départementale Nipio, Grandos et Sud, pour prendre personnel dans le ministère, inspecteur pour faire un rapport. D'ailleurs, il y a un petit département qui fait rapport déjà. Mais le ministre n'a pas besoin de l'autre commission. Donc ça veut dire que, pour que Pierre Renel, monsieur, en nous sérieux, examen secret là, il y a plusieurs centaines de petits mouns qui besoin à l'école, à l'université Port-au-Prince. Il y a des petits mouns qui habitent dans Léogane, Grécier, qui l'école, je ne cite pas l'école, mais qui n'a pas Marie-Jeanne, qui n'a pas Genesis, qui n'a pas Pétion, qui n'a pas Fumé. Ça veut dire, pour que ça fait l'État pas prendre sur la vie, il met des sécurité dans la zone, non. Gardez à moi, il y a un contrôle de police, ça dit pour diable, pardonnez-le, lui dit qu'il y a un plein contrôle. Tant que moi-même, même je m'en passe, sous seul petit chablé de moi dans le commissariat. Monsieur le nègre, pas sérieux. Et il faut que le ministère de l'Éducation nationale, primature, il faut qu'Ariel Henry suspende l'ouage dans le hélicoptère. Il faut que M. Prince sous la vie. Si Léon Charles n'est pas capable, mettons l'autre direction générale, direction de cette police-là. Pour ne pas réunir, mais ce n'est pas possible. Donc, comment les potes vont arriver là? Si l'État va mettre sécurité, pour que 4 départements paralysés. Donc, je pense que l'école, je parle, comment on va faire là? L'école, il y a une école nationale, il y a une sortie 4e avenue, rivée pour ma 27. Mais pour le ministre, la ministre de l'Éducation nationale, la ministre de l'Éducation, je me dis, est-ce qu'il y a plein l'école ça? Si vous avez levé, vous pouvez vous aller. Hein? Et si vous avez levé l'école de Pierre Renel, je dis à toi, ça veut dire dans 18 jours encore, qui côté vous allez mettre l'école de Sayo? Mettez l'école de Sayo dans le baron. Vous mettez l'école de Sayo dans le baron. Et c'est l'école de l'État, oui. À moi, il y a une ressource humaine, moi, toi, viens, toi, pour mettre l'école qui habite Fontamara, il y a une habite Baptisant. Il dit que depuis le premier jour, il y en a marron. C'est quand on y a dormi. C'est quand on y a dormi, oui. Alors que le ministre va prendre en compte, même petit, il a le professeur de l'école privée, public, et petit ministre, est-ce que le ministère de l'Éducation nationale fait une enquête pour le dématissant, il faut avoir 27 premiers professeurs qui sont dans l'école publique, qui habitent dans la zone. Combien de policiers, est-ce que bien sur police moi-même, pas la moitié des policiers Pierre Renel, guerrier, qui était habité dans une zone qui a abandonné, qui courit. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale, la police, Léon Charles, qui est le next à l'OCA américain, vous ne pouvez pas mettre sur une population, ni policiers. Gardez pas mon bon policier. Je tue. Mais côté directeur général, là, côté premier ministre, moi, je souhaite que le ministère, et ma mari, qui est le ministère de l'Éducation nationale, qui sont environ en quarantaine. Aller dans le ministère de l'Éducation nationale, et lui est saisi, prenez sous la vie. D'ailleurs, il peut ma boue ou copie enquête nous fait à bas ou guerrier, nous faisons enquête et minimum dans le grand dans le NIP, dans le sud, et nous voyons le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez plusieurs dizaines d'écoles publiques qui casent. Donc ce n'est pas commission, vous n'avez pas mettez sous le ministère de l'Éducation nationale, mettez. C'est servi avec l'inspection scolaire dans la direction dans la zone. Là, il y a plein. Pour l'autre, je vous choisis 10, vous mettez toute bataille pour aller faire 10e pour sortir. Pour que ça. Donc, vous souhaitez le ministre de l'Éducation nationale de Cécile. Vous pouvez passer, je me dis à vous finir guerrier. Peut-être que vous ne vous racontez pas ça. Mais, vous comptez quand même. Il y a un pile bon échelle, un pile si vous avez besoin dans l'université. Il a abandonné l'université. Il y a des différents dans l'université là, et l'État. Il n'a privé, il a besoin de l'État
pour le contrôle Matisson, pour le contrôle Abner Azot doit arriver d'après et puis ils sont remplis là-dedans, ils sont CIA, au moins, pour la police à mettre pied la terre pour attaquer vagabond. Deux, trois dizaines de vagabonds avec vos amis, si tout le monde qui n'est pas même, c'est des jeunes qui vont même continuer. Même, puis, alors, police là, il va pas réunir 300 policiers pour aller mettre les vagabonds à l'autre, mettre en vagabond, et puis population et tous les vagabonds. Merci, guerrier. Eh bien, d'accord. Mais merci un peu, Léo. Donc, est-ce que l'autorité a des oreilles pour t'en dire? En tout cas, nous pas quoi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Entre-temps, étudiants dans diverses facultés, mais tout postulant manifesté hier jeudi 2 septembre 2021, ils ont contesté 300 goûts de rectorat mettés sous cob postulant. Ils ont été payés pour participer dans concours admission pour entrer dans l'université de l'État. Protestataires ont demandé rectorat pour rentrer. Mais USA, sans perdre du temps, ils ont même menacé bloquer concours admission pour Anessa si rectorat pas décidé d'étendre la raison. En écoutez quelques nanyo qui tenant micro Reginald Rémy. Donc, tu peux payer 500 gouttes pour tout postulant à l'université d'État. Des hommes décidés, en gros moyen, les montées à 800 gouttes. De 60%, nous demandons des explications. Nous, université côté, n'a pas gardé, pas gagné assez chaise dans sa lieu. Pas gagné un yé comme service, à pas de venir suivre pour vivre de Wallet. Des hommes, non, moi, pareil, ils décident pour être capable de monter l'université de 60%. Et d'autres en plus, ils pas même respecté. 17 octobre, jour Papa Nation pour décider pour faire concours, mais même tout ça. Pas de pièces mémoire pour Papa Nation. Nous demandons pour lui rétracter décision là. C'est mille décisions nous réservent. Jusqu'à ce que lui rétracte la décision là. Je ne contre pas de concours qu'on fait dans l'université. Concours FLA. Il décide de faire concours FLA le 17 octobre. Il n'a pas décidé de respecter mémoire Papa Nation. Nous décidons nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord avec la décision. Nous demandons de lui rétracter la décision. Il a dit, monsieur, il faut répondre à Yo. Pour qu'il soit parce que le pays a traversé une crise économique extrêmement dure. Et le pays a, nous sommes en tremblement de terre dans son sud-là là avec Grand Snip qui met le pays à genoux presque. N'a dit monsieur, retirez 300 gouttes, lui mettez sous forme d'inscription pour entrer dans la faculté de l'État parce que malheureux, pas de kidnapping, nous pas de voler, nous pas payer comme ça. Nous avons la rue pour nous revendiquer, pour nous dire non à 800 gouttes pour inscription, pour concours d'admission dans la faculté de l'État haïtien. Il n'est pas normal pour des hommes râler 300 gouttes pour le mettre sous 500 gouttes. D'ailleurs, nous sommes chômage, pas en nous qui vous aider nous, pas pour régler en un dans le pays. Mais soit rapporté au Sao qui m'a dans Sarah, yo pas qu'à sortir Jérémy, yo pas qu'à sortir au Kaye pour venir vendre Port-au-Prince, yo pas qu'à sortir dans Nip pour venir vendre Port-au-Prince à cause de Matissan qui pas bon. Nous là pour nous revendiquer, pour nous dire non à 800 gouttes là. Avant nous venir avec question bourse excellence primature qui est un programme ancien premier ministre Nex Jean-Charles qui est lancé dans l'année 2016 côté jusqu'à présent il y a des monde qui pas arrivé en tout cas étudiant pas arrivé payé ben nous aller Jacques Mel avec Elie Lorveillus qui sous place parce que nous apprenons qu'il y a une route Jacques Mel qui est encore bloquée matin côté citoyen va exiger en tout cas libération directeur départemental travaux publics là que bandit kidnappé dans Matissan. Elie Lorveillus, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Pierre Renel, bonjour Dipis, auditeur Radio Caraïbes. Là, nous sommes au niveau du Mez. Du Mez, c'est justement dans le carrefour pour rentrer la vallée. Hein. Côté est totalement bloqué pour ça qui a rapport avec circulation Jacques Mel Port-au-Prince. Et moun qui a sorti Port-au-Prince et déjà gagné plusieurs machines qui t'a gagné pour rentrer dans la ville déjà bloqué et ça qui t'a gagné pour aller dans la capitale là yo tout yo bloqué. Eh ben yo bloqué c'est sans qu'on dit c'est pour exiger libération du départemental travaux publics de cela et ingénieur Basile qui victime kidnapping accompagné Ernst Mentor José Manuel nous connaît qui kidnappé et déjà et information qui est disponible, c'est que Ravisseyo exigeait 2 500 000 dollars américains pour libérer. Mais dans le cas de situation, ça, il faut qu'on dise, déjà, il y a la police qui a arrêté 4 personnes qui étaient à bord des...